les gars, c'est Powerback et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo que j'espère faire donc plaisir. Alors les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu. Oh putain, ça commence bien. J'ai reçu donc tous les colis, donc covering, donc faux carbone, enfin imitation carbone mais en vert, des protège rayons et des nouvelles poignées pour le drift, parce que celles-là en fait elles sont toutes démontées. Sur les photos on ne voit pas trop, désolé, mais en fait elles sont toutes démontées. Du coup, vous allez tout voir. Donc là, je vais aller chercher WD-40 pour du coup enlever ses poignées, parce que comme il fait froid, c'est très dur à les enlever. Et après, je nettoierai bien, parce que celle-là, c'est voilà quoi. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de. Genre, en fait, là, il n'y a pas de cache. Du coup, c'est ça qui est chiant. Mais du coup, je vais chercher WD-40 et à tout de suite. Mais du coup, là, j'ai pris du WD-40 pour enlever les poignées. Du coup, je vais vous filmer ça. Donc, je vais mettre le téléphone juste là. Voilà. Merde, j'en ai mis dessus. Bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais vous filmer donc le démontage des poignets. Après, le montage des rayons. Et le montage du covering. Donc, le covering, je vais en mettre sur le guidon. Donc, hier, j'ai posté des sondages. Ah, je vais y arriver. Des sondages sur mon Insta. Donc, vous pouvez aller le voir. J'avais marqué si ça allait faire styler le faux carbone sur le guidon. Et tout le monde avait marqué oui. Et si ça allait faire stylé aussi sur la potence. Tout le monde avait marqué oui. Donc là, je vais faire deux bandes et tout. Enfin, ça va être trop stylé. Je vous laisse admirer ça. C'est parti. On va commencer le démontage des poignets. Générique. Go. Les gars, ça a donné ça. Ça c'est stylé, franchement. Et avant ça c'était les. Désolé pour le bruit à côté, c'est mon père qui travaille. Donc ça avant c'était les anciennes poignées. Du coup, ben là, je vais finir donc l'installation de ces poignées là qui sont vraiment assez stylées quoi. Elles sont assez stylées. Donc là on va passer au court rayon blanc. Et du coup, ben c'est parti. À tout de suite. Oublié. Ça, là il va avoir un petit bouchon, mais vert, mais pas aujourd'hui. Et à l'arrière. Pour les roues de karting aussi, voilà. Donc après on va passer au covering, mais bon, pour le moment je préfère passer au couvre rayon et puis voilà, le moins embêtant à la fin. Du coup c'est parti en musique, l'installation des couvre rayons. À tout de suite. Ça, les gars, dans les protège rayons, j'abandonne. Pour le moment, j'abandonne. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, du coup, ben, on va commencer l'autocollant. Du coup, ben, c'est parti. Je vous mets tout en musique. Et à la fin, il y aura des photos. Donc, il y aura une sorte de diaporama. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y aura des photos dans une story et des photos sur mon Insta. N'hésitez pas à aller voir aussi. Sur ce, ben, je vous laisse avec le montage du covering. À tout de suite.
Voilà le petit covering imitation carbone. Donc franchement, je pense que ça va aller bien quoi. Du coup, c'est parti, on va le faire. Donc c'est parti, tout en musique. Les gars, le drift track est bientôt fini, il manque juste une bande là et le siège quand on va du coup le peindre avec des peintures exprès pour le plastique. Du coup, ben voilà, voilà ce que ça donne les gars. Donc vous aurez des photos en musique à l'arrière avec un plan en musique aussi, en vidéo. Donc là il est fini quoi, il est fini, il manque juste toute la fourche en verre là. Et donc si vous voulez la voir, ce sera sur mon Insta, donc n'hésitez pas à aller vous abo. Il est en description les gars. Donc j'ai même fait un petit motif là, un petit motif assez stylé. Bon, ça, l'arrière on le laisse comme ça pour le moment. Donc ça je vais l'enlever. Et du coup ben voilà, voilà comment ça donne les gars. Franchement, je trouve que c'est assez stylé quoi. Le carbone ressort bien. J'en ai mis même sur le klaxon. Et franchement c'est assez stylé. J'en ai mis sur les pegs. Bon les pegs, je pense que dessus ça va pas trop tenir, mais il me reste des chutes, donc au pire j'en remettrai. Donc voilà les petits potes, voilà à quoi il ressemble. Franchement, il est trop stylé. Je suis content du résultat. J'ai même mis du imitation carbone là et là. Donc voilà les gars, à quoi il ressemble. Vraiment, il est trop stylé. Trop stylé. Donc là, je vais commander aussi du PVC vert. Mais quand celui-là sera usé, parce qu'il n'est pas usé encore. Donc des bouchons aussi pour les valves, là, les trucs. Donc voilà. J'ai pas mis les protège-rayons. Parce que enfin, j'en ai juste mis deux. Mais je vais en commander des verts en fait. Et les blancs, je vais les garder pour mon VTT. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, les gars, vous aura bien plu. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez liker, que vous allez partager, les gars, parce que voilà quoi. Là, on s'approche vite. On s'approche vite, vite, franchement, des 400 abonnés. Donc franchement, là, merci. Je suis vraiment super content. Donc voilà. Merci à vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et sur ce, les gars, bis. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemical. Sorry, like an angel.